Salut à tous et à toutes, c'est Mister Audi pour le Party Time Show, la référence du zouk rétro, du zouk gold, du zouk des années 80-90. Mister Audi au contrôle des platines. On remercie, on a quelques invités hein, cette nuit. Nous recevons notre invité, un DJ très réputé aux Antilles et surtout pour ce qu'il fait, on l'apprécie beaucoup, énormément, surtout pour le devoir de mémoire qu'il effectue. C'est DJ Issalope. Salut Woody. Comment tu vas? Eh ben écoute, un peu fatigué, mais je suis là, de passage à Paris. Ouais. Et je me suis dit, bon ben Woody, ouais quoi. Ah ben, et me voilà. Ah ben c'est clair. Donc DJ Issalope, pour ceux qui ne connaissent pas, donc il faut savoir comme quoi que DJ Issalope, c'est un grand DJ qui a répertorié toutes les années zouk, des années fin 70 jusqu'à... Enfin, c'est de 83 à 94. D'accord, ok, pas de souci. Donc, on va apprendre à te connaître parce que c'est vrai qu'on te connaît beaucoup en Martinique et en Guadeloupe aussi. On te connaît aussi sur par rapport au site internet qui s'appelle zouknostalgie.com. Donc, tu vas nous parler de ton site. D'accord. Ok, aussi de comment t'as débuté aussi, ton histoire et ce que tu penses du zouk aussi. Absolument. Ok, mais avant tout, on va écouter ce que tu fais déjà. Exact. 30 minutes de mix quand même. Ça roule. Zouk rétro. Toujours. Tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que tu nous as préparé? Eh bien, un zouk mixé. Ouais. D'environ 6 à 7 morceaux. D'accord. Alterné entre des morceaux connus et des morceaux moins connus. D'accord. Bon, ben écoute, on écoute le mix et après, on en parle. Ça roule, à tout de suite. Yes, à tout de suite. Mister Audi pour le Party Time Show. Yes, 01 40 87 79 00. Si vous souhaitez nous contacter, il n'y a aucun souci. Et aussi, vous pouvez intervenir sur le Facebook du Party Time Show. Il est ouvert aussi, celui de Pascal, de DJ Salope. Ok, de DJ Salope, il n'y a pas de souci. Et tout de suite, le mix de DJ Issalope, quand même. Franchement, hey, ton nom il est dément quand même. DJ Issalope. Pourquoi ce nom-là, Issalope? Alors, pour résumer, on va faire court. Donc, quand j'étais étudiant au campus, j'avais une bande de copains et j'étais aussi dans un appartement, et pas loin du campus. D'accord. Et j'organisais des zouks la journée. D'accord. Et aussi l'après-midi. Donc, ceux qui avaient été dès le matin venaient zouker l'après-midi. Ceux qui avaient été dès l'après-midi venaient zouker le matin. D'accord. Et donc, avec un pote, Jean-Manuel, en la ramenant chez lui un soir, il m'a dit, ouais, par contre, si nous mettais tel mix, telle cassette, telle bagarre, parce que c'était des cassettes qu'on passait à l'époque. D'accord. Il m'a dit, ouais, frère, nous café en soirée, un bagarre, Issalope. On avait tous ces cassettes dans la voiture. Ouais. Et depuis ce jour-là, on a appelé les petits zouks qu'on faisait chez moi dans mon appartement, les Issalope Movement. Les mouvements Issalope. D'accord. Et donc, j'ai gardé ce nom de DJ Issalope en mémoire de cette époque où on diffusait des zouks nostalgie, on faisait des zouks la journée. D'accord. Des deux bondiers parce que les paroles n'étaient pas au courant. Ok. D'accord, mais en plus, tu le dis bien, c'est bien Issalope. Voilà, exact. Mon Dieu. Bon, ok, alors, yes, le Party Time Show, c'est tous les vendredis soirs dès minuit avec Mister Eddy, DJ Six et Peter Lemix. On a pu écouter sur la sélection de DJ Issalope, Weekend, Olivier Ngoma, Marcel Chéri, Patrick Rimmel avec Pani Pesson, sorti en 1989, Zouk All Star avec Arrêté, Luc Léandri, Champagne en 1989 avec Domi en Love, produit par Moradisc et composé aussi par Monsieur Frédéric Caracas, et à l'instant, Connivence. Voilà. C'est bien ça? Absolument. Bon, cool, bien joué. Cool. Bon, cette sélection, comment tu l'as faite exactement? Eh bien, des sons qui m'ont inspiré. Alors, comment je fais ça? Bon, d'abord, au début, j'ai tous mes vinyles. Ouais. Et je les ai ripés les uns après les autres. D'accord. Après, je les ai répertoriés dans des dossiers, donc ils sont affichés par ordre alphabétique. D'accord. Donc, si tu regardes bien, peut-être même que les noms des groupes sont par ordre alphabétique. Ça arrive des fois que je mets le point tel album, je choisis un son qui me plaît, hop, je glisse dans ma playlist et je les enchaîne de manière harmonieuse. D'accord. Je ne mets pas d'effet dans mes mix spécialement, même pas du tout. Ouais. Et dans tout ce que je fais, j'essaie de mettre au maximum en valeur le titre qui joue. Bon, souvent les DJ, ils mettent des jingles avec boss, machin, master, etc. Personnellement, c'est pas moi que je veux mettre en valeur, c'est d'abord ma musique. D'accord. Et ça marche. Ok. DJ, comment t'as démarré ta carrière en tant que DJ? Ben, en fait, on peut pas vraiment parler de carrière. On va plutôt parler de passion. Hein. Comment j'ai commencé? Eh bien, ça a commencé il y a très longtemps. Déjà, au niveau des vinyles, parce que ma mère a beaucoup de disques, ma mère était passionnée de musique. Et je me rappelle, quand j'étais gamin, c'était dans les années... c'était quoi, mon Dieu, en 83.
ça a marqué ce jour-là parce que c'était l'album de Kassa qui était sorti, l'album Eva, l'album en fond bleu, espèce de petit vampire là, tout à fait. De Soukounian, l'album ouais. Soukounian. Voilà. Et bien sûr, ma mère quand il sort le Soukounian, ça me faisait flipper. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'étais sur le lit d'une chambre de derrière le de mon pater, et on avait un électrophone, à l'époque, électrophone en bois. Je sais pas si tu imagines. Donc tu as la platine et c'est la platine est amplifiée et relié avec deux enceintes en bois. Mmh. Et on était à côté d'écouter de la musique. Bon, après, il fallait pas danser parce que le fait de sauter comme ça sous le lit, ça va sauter le vinyle. Mmh. Donc ça a commencé comme ça. Et puis ensuite, le zouk, j'ai laissé un petit peu de côté. Parce que tu sais, quand on est jeune, on aime écouter des musiques d'ailleurs. Donc j'étais plutôt branché Michael Jackson, David Bowie, tout ça. Okay. Et puis, après, très peu zouk parce que je ne savais pas danser. Je dansais très tard, en fait, le zouk. Mais quand j'étais au lycée, jusqu'au bac, quoi, je savais pas. J'ai dû apprendre à danser le zouk peut-être à l'âge de 19 ans. C'est comme ça. D'accord. Et mais j'étais pas trop sur le zouk. Et puis après, j'ai écouté une cassette. C'était un mix qu'avait fait DJ Alan à l'époque. Il a fait ça depuis 92. Un mix de 66 morceaux mixés. Enfin, un truc terrible, quoi. Et moi, ça m'avait vraiment accroché. Et puis depuis, ben, j'ai essayé de rattraper le temps perdu, d'acheter des vinyles que je n'avais pas acheté, de compléter la collection que ma mère avait déjà commencé avec ce que moi j'achetais. Donc j'achetais des vinyles encore, ça existait mais très peu, ça commence déjà à devenir rare dans les années 2000 quand j'étais à la fac. Et puis enfin 94, après 94 que je suis arrivé à la fac. Et puis j'ai aussi acheté dans les puces. Mm-hmm. Et puis après je me suis constitué une collection. Et puis après j'ai un voisin qui s'appelle DJ Lorenzo, Laurent, à qui je fais coucou. Non, il ne dort pas parce qu'il est encore 18h et quelques. Mm. Et je lui dis ouais, mais je vais bien aimer apprendre à mixer. Il m'a appris à mixer sur le logiciel qui s'appelle Acid Pro. D'accord. J'ai appris tant bien que mal. Donc j'avais fait un super mix. Mon premier mix c'était un mix d'Annick et Jean-Claude, une espèce de best-of que j'avais fait. Et puis je demande d'écouter. Il m'a dit mais non, c'est nul. Là, il y a le chemin n'est pas bon. Là, la phase n'est pas bonne. Le volume. Mm. Bon, quand il a claqué la porte, j'avais presque les larmes aux yeux. Mes enfants, je vais jamais réussir à mixer. Et puis finalement, à force de m'accrocher, d'accord, ben j'ai réussi à faire plusieurs mix. Et puis voilà, puis c'est parti. Donc mix sur mix. Je mixais d'abord pour moi, me faire plaisir. C'était une espèce de délire en fait. C'est pour ça que les premiers mix que j'ai fait, il y avait des espèces d'introductions bizarres, des moustiques qui volent. C'était vraiment un délire. Puis après, les gens se sont intéressés à ce que je faisais. D'accord. Et me disaient, ouais, mais tu mixes super bien, continue. Et c'est comme ça que j'ai continué. En fait, je ne suis pas DJ. Tu me mets devant deux platines maintenant, je sais rien faire. Je ne mixe que sur Acid Pro. Et j'envoie mes mix. En fait, tu mixes que sur ordinateur. Que en fait. Sur ordinateur, et j'envoie les mix sur le net. D'accord. Donc, touch est là. D'accord. Donc, tu fais partager ta passion. Absolument. À travers les moyens que tu as, et tous les que tu as appris sur, voilà, sur ordinateur. Voilà. Que j'ai appris sur Acid. L'avantage qu'il y a, c'est que sur Acid, le travail est plus long qu'un mix direct, oui, mais il est beaucoup plus propre et plus précis. Mmh. Et surtout, c'est définitif. Je veux dire par là que tu fais une soirée, une fois que tu as mixé, le mix, il s'est envolé. Mais une fois que tu l'as compilé, gravé en MP3, le mix, ouais, il est là à vie, quoi. D'accord. Alors, il faut savoir aussi, bon, ta passion a fait que t'as fait un site. Absolument. Qui s'appelle www.zouknostalgie.com. Alors, c'est un site qui est très visité. C'est le plus gros site de Zouk. On va pas parler de Zouk rétro, mais de Zouk, tout simplement. De 83 à 94. À 94. Voilà. Alors, sur ce site, tu peux nous parler de ce site-là. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? D'accord. Alors, comment le site est né avant, au début? C'est né d'une espèce de colère. J'en avais marre d'entendre dans les soirées aux Antilles les mêmes nostalgies, les mêmes Cassaves, les mêmes Météores, les mêmes David et Cory, les mêmes. J'en avais un peu assez. Et je voulais montrer aux gens qu'il existe autre chose en termes de nostalgie. Donc d'abord, il a fallu déterminer la période. Pourquoi j'allais commencer, pourquoi j'allais finir. D'accord. Alors voilà. 83, c'est les premières vraies consonances zouk. Vraiment qu'on entend. D'accord. Pas qu'on découvre, mais qu'on entend vraiment régulièrement. Jusqu'à 94, pas 94, parce qu'en fait, c'est l'année où Jean-Michel Rotin a vraiment explosé. Avec l'espèce de zouk un peu moins local, on va dire. D'accord. Un peu plus, R&B. Voilà, plus des R&B. Des influences internationales. Voilà, ouais. Exactement. Ouais. Donc voilà, c'est ce créneau-là. Ensuite, le site, comment je l'ai construit? Au début, j'ai commencé par quelques rubriques. Et puis après, j'ai fait que remplir. C'est au bout d'un an que je me suis retourné, que je me dis, putain, mais j'ai vraiment abattu un travail énorme. En fait, sur le site, on trouve quoi? On trouve l'historique du nostalgie. Donc, le nostalgie, j'en parle à ma façon, en tant que passionné. Ensuite, on trouve mes pochettes d'albums. Il y en a à peu près 1200, mais j'en ai plus, parce que j'ai pas besoin de tout ripper. Mmh. On trouve à peu près 81 mix, qui sont téléchargeables gratuitement. Mmh. On trouve aussi une vingtaine d'interviews d'artistes, parce qu'en fait, je me suis dit, pourquoi est-ce que moi, ce moment, je parle du nostalgie? J'ai vécu cette période-là, mais je l'ai vécu d'un point de vue de passionnés et d'auditeurs. D'accord. Mais ceux qui ont fait cette musique, les producteurs, les chanteurs, etc.,
je n'ai pas leur avis. Donc du coup, ben, j'allais en Guadeloupe régulièrement, ça me coûtait, mais bon, c'était à mes frais, et j'allais interviewer des artistes. J'ai déjà mis 20 en ligne, j'en ai à peu près une quarantaine encore en stock. D'accord. Et voilà, donc on peut trouver une espèce de trousse à outils du Zouk Nostalgie de 83-94. Mais en ce moment, le site il est pas fermé. Normalement, je devais changer de serveur. Mon hébergeur m'a dit voilà, les anciens serveurs vont fermer, maintenant il y aura de nouveaux. Et je n'ai pas fait le changement. Pourquoi ? Parce que le site va être refait. D'accord. Et va normalement réapparaître d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine. Okay. Et parce que je me suis orienté vers autre chose, toujours en restant dans le Zouk, j'ai confié mon site à un passionné qui s'appelle Cédric. Il est plus connu sur Facebook sous le nom de Doudou973. Ouais, tout à fait. Et qui est fidèle aussi au Party Time Show. Ouais, exactement. Et lui, je lui ai dit voilà, maintenant je te confie la gestion du site. Tu gères comme tu sens, tu es un passionné, on a la même vibe, donc ce qu'il fera, ce sera forcément bon. D'accord. Alors, maintenant, il y a une question que je voudrais te poser, parce que toi, tu me parles de Zouk Nostalgie. Mm-hmm. On voit beaucoup de Zouk, différents termes, donc mm-hmm. on parle de Zouk Rétro, Zouk oui. Nostalgie, Zouk Souvenir. Est-ce que pour toi, tu pourrais différencier le Zouk Rétro, Zouk Nostalgie ouais, ouais, parce que quand on parle de Zouk Rétro, Zouk Nostalgie, ouais. Zouk Souvenir, donc mm-hmm. voilà. Donc c'est vrai que maintenant, en général, lorsqu'on parle des zouk des années 80, 90, voilà. on parle de zouk rétro. Mm-hmm. Donc voilà, est-ce que toi, t'as vraiment ton idée par rapport à ça? Alors j'ai mon idée, qui est partagée par beaucoup de personnes. Oui. Mais ceci étant, chacun ses idées. Hein. Oui, mais je vais dire la mienne, parce que c'est voilà. pour qu'on est tiré au ce soir. Mm-hmm. Y a une différence. En même temps, il n'y en a pas. Zouk rétro, c'est un terme générique, comme se disait le frigidaire. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi zouk, l'expression zouk nostalgie? Quand j'ai fait mon site, il s'appelait au début Zouk Rétro parce que c'est le terme que tout le monde employait, c'est le terme le plus répandu. Mais j'ai eu quelques réflexions d'artistes, notamment Ronald Gubinet, qui m'a expliqué voudrait mieux utiliser le terme Zouk Nostalgie parce que rétro ça fait un peu rétrograde, ça donne une connotation vieillotte à une belle musique. Mmh. Et voudrait mieux mettre le terme Zouk Nostalgie qui fait beaucoup plus appel aux bons souvenirs. D'accord, d'accord. Mais ça veut dire la même chose, Zouk Rétro, Zouk Nostalgie. C'est juste une question d'appréciation. Tu dis à un artiste, ouais, un artiste Zouk Rétro. L'artiste, selon sa sensibilité, va se dire, ouais, Rétro, ça y est, on m'a déjà catalogué, je suis un vieux, je suis has-been, quoi. Ce qui est pas vrai. Mm-hmm. Sauf que c'est une différence au niveau du terme. Donc, il est plus convenable, on va dire, d'employer le terme Zouk Nostalgie d'accord. que Zouk Rétro qui pourrait donner une impression de vieillot, de dépassé. Voilà. Okay. Exact. C'est ça. Alors, en tant que passionné, mm-hmm. Qu'est-ce que tu penses maintenant, étonné que t'es passionné par le zouk des années 80 et ouais. 90, comme cette émission-là, on mm-hmm. essaie de faire un devoir de mémoire et d'honneur. Exact. Qu'est-ce que tu penses du zouk actuel maintenant? Parce que c'est vrai que maintenant, c'est très critiqué. Ouais. Quel est ton avis, ton opinion, ta critique sur le zouk actuel? Okay. Par rapport à ce que t'as pu vivre auparavant? Bien. Le zouk actuel, est-ce qu'il est par rapport à la société? Le zouk évolue en fonction de la société. Si la société change, le zouk change. C'est une autre façon de travailler. Au début, le zouk, c'était une bande de copains, on se réunit, on gratte la guitare, on joue un peu de tambour, machin, puis on fait un truc, quoi. C'était au feeling. C'était vraiment quelque chose de passionné. Puis on avait le temps. Aujourd'hui, on a l'ère de l'électronique, il faut faire rapidement. Parfois, les musiciens ne sont pas là pour jouer tous ensemble. Eh ben, celui-là met sa ligne de basse sur une piste, celui-là met la trompette sur une piste, on monte le tout, et peut-être que le gars qui joue à la batterie, eh ben, il a un album sorti alors qu'il n'a jamais rencontré des guitaristes, qu'il n'a jamais rencontré qui que ce soit. Ça arrive. Donc, aujourd'hui, le zouk nouveau est le reflet de la société qu'on a aujourd'hui. Voilà. On manque parfois d'inspiration, on essaie de faire au plus vite, on manque d'argent aussi. Faut pas croire, mais je vous donne un exemple. Tony Chasseur, c'est quelqu'un qui, par exemple, qui va mettre de l'argent sur un album. Il va payer des musiciens. Ça lui coûte une fortune. Comme Tania Saval aussi. Comme Tania Saval. Ouais. Il va payer une fortune pour avoir de la musique. Sinon, tu peux faire de la musique à faible budget, mais ça va pas être terrible. Je donne un exemple. Je discutais avec Christian Yeye, que j'ai interviewé, ça fait déjà presque 2 ans. Et ils m'ont parlé de Gifleur ou tout ça. Et il m'expliquait qu'en fait, les musiques sont souvent, tout le temps, composées à partir d'un clavier. Tu as un clavier. Tu mets une clé USB dedans, hop, tu télécharges le programme batterie. Et avec ton clavier, tu fais la batterie. Avec ton clavier, tu peux faire la ligne de basse. Avec ton clavier, tu peux faire le piano. Avec ton clavier, tu peux faire ce que tu veux. Et tu peux composer tout un morceau. Et donc, du coup, tu peux faire un morceau à toi tout seul. Mais le morceau sera fade. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la vibe du trompettiste. Tu n'as pas la vibe du bassiste. Tu as une vibe générale de tout, mais tu n'as pas la vraie vibe de chaque instrument. Il y a un gars
qui a réussi à faire ça. Il s'appelle Gilles Floreau. Un seul. Les autres n'ont pas vraiment su avoir les vibes de chaque instrumentiste. Voilà pourquoi les morceaux aujourd'hui ont l'air d'être un peu ternes parce qu'ils manquent de vie. Parce qu'il n'y a qu'un instrumentiste et pas plusieurs. C'est ça qui fait la force du zouk. D'accord. Et pour toi, qu'est-ce serait le remède, on va dire. Bon, tu me disais comme quoi qu'en fait que le zouk, c'est vrai que la musique est un reflet de absolument la société actuelle. Oui. Alors, est-ce que pour toi, mm-hmm, dans 10 ans, oui, ou dans 15 ans, on parlera toujours de zouk? On va dire dans 25 ans plus. Absolument. Je suis absolument convaincu. Le zouk aura changé, oui. Oui. Mais il sera différent de celui des années 80. Il sera différent de celui qu'on a aujourd'hui, mais il existera toujours. Pourquoi tu dis ça? Parce que j'en suis absolument convaincu, parce que je vais tout faire pour qu'il existe. Bien. Et je ne serai pas le seul. Ok. Zopé, bye for ça, les hommes. Hein. Oh, oh. Ouais. On peut applaudir quand même. Okay. Alors, je vais expliquer le comment tout à l'heure. Vas-y. C'est pour ça que j'ai des choses à te dire. Tu peux le dire maintenant. Déjà maintenant? Ok. En fait, tu vois, quand on est sur Zouk Nostalgie, on a une musique vivante. À tel point que lorsqu'on danse sur Zouk Nostalgie, la danse que tu as est déjà vivante. Tu vois ce que je veux dire? Tu danses sur un morceau vivant, donc ta danse est vivante. Mm-hmm. Aujourd'hui, on a un Zouk beaucoup plus lent, beaucoup plus lancinant, qui fait que ton zouk est ralenti. La danse, je veux dire. Mmh. Et donc, tu attends, ça t'en dormir, les choses font parfois chier. Eh bien, avec un ami qui s'appelle Jean-Manuel, on a mis au point une danse qui s'appelle le Zouk Shine. Qui est en fait un zouk avec du style et des figures. Et c'est génial. D'accord. Voilà. C'est pour ça, c'est tellement génial que j'ai laissé mon site de côté pour m'occuper de ça. En ce moment, beaucoup l'ont constaté sur Facebook, je fais un peu le tour du monde. C'est un tour du monde par plaisir. Ouais. Mais c'est un tour du monde aussi où je regarde où est-ce que je pourrais apprendre aux gens à danser du zouk. Si tu sais, Kassav était un groupe. Était. Il l'est toujours, hein. Il part, pourquoi il disparu, Dieu merci. Et il a traversé le monde. Et ce groupe a amené sa musique derrière lui. Ouais. Bien. Quand tu vois les groupes de Kassav quand ils jouent, tu avais deux danseuses à l'époque. Lopa, Catherine Lopa et Marius Desjibons. Mmh. Mais les danses qu'elle faisait étaient des danses africaines, ce ne sont pas vraiment des danses qui reflètent le zouk aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Le zouk aujourd'hui, c'est qu'on danse à deux dans une salle. Mmh. C'est vrai qu'on danse à un carreau, demi carreau, voilà, deux carreaux. Exactement. Voilà. Et donc, du coup, le zouk shine, dont je vais parler tout à l'heure, est une danse qui donne de la valeur au zouk. Je m'explique. Quand tu as une musique comme la salsa, il y a un niveau. Ouais. La danse qui va être la salsa, la danse, va avoir le même niveau que la danse va avoir le même niveau que la musique. Donc, les deux choses seront belles. Aujourd'hui, on a un bon zouk. Quand tu vois les gens danser, c'est moyen. D'accord. D'accord. Le zouk shine va donner une dimension à la danse qui fait que tu auras une danse à la hauteur de la musique. Et okay, c'est autre chose. Et je vais te dire, je fais une confidence. J'espère que tu as déposé ton idée parce que là, il y a du monde qui t'écoute et... C'est déjà déposé. D'accord. On a déjà envoyé des concurrents au Festival International du Zouk de Guadeloupe où on a gagné. Ok. Voilà. Donc le Zouk Shine a déjà remporté le championnat international du zouk en Guadeloupe. Quand tu me dis le championnat international, c'est-à-dire qu'il y avait d'autres pays en dehors. Il devait y avoir d'autres pays, mais il y avait que Martinique et Guadeloupe. Les autres, on les attend. D'accord. Tu vois, comme c'est quelque chose, on est à la 4e édition. D'accord. Mais en gros, pour résumer, hein, le Festival International du Zouk en Guadeloupe, c'est un concours général. Tu as un concours de danse, concours de chant, concours de groupe live et concours de danse. D'accord? D'accord. La Martinique, on a terminé premier concours de danse. Mm-hmm. On a raté le concours chant. On a terminé premier concours de zouk live. Mm-hmm. On a terminé troisième concours de DJ. En DJ, il y avait un DJ de zouk de Londres qui était venu. D'accord. Donc, chaque année de Londres. Il s'appelle comment? Oh, j'ai oublié. Oh, ok. Assez foncé de peau, des petites locks. Ah, German? C'est possible, hein. D'accord. Ok. C'est possible. Ok. Et je me rappelle pas du nom. C'était dans le jury. Et donc voilà. Donc les choses vont monter. Les choses vont changer. Ouais. J'ai déjà discuté avec quelques personnes. Leur ont montré des images de zouk shine. Ils m'ont dit que ça va déchirer. Ça va déchirer. Ça déchire déjà. D'accord. Donc l'idée est que on va amener une danse qui va tirer la musique derrière. Un exemple. Tu te rappelles en 89 la lambada? Oui, tout d'accord à fait. On a sûrement écouté de la lambada avant que ce soit super populaire. Mais on écoutait comme ça. Oui. Mais le fait d'avoir vu la danse, la petite chou blanche, les petits gars noirs, les choux qui dansent, les petits qui volent, tout ça, mm-hmm, l'image de la danse a véhiculé une musique. D'accord. C'est ce qu'on fait aujourd'hui pour ramener le zouk nouveau au top. Maintenant,
quelle musique qui va accompagner votre le danse? Le nouveau, les Kennedy, les Soumia, les Fanny. D'accord. Donc en fait, vous allez vous baser par rapport à ces titres. Absolument. Pour que le zouk shine puisse exploser. Exact. Dans le monde. N'est pas peur de dire des mots. Dans le monde. Ok, excusez-moi. Voilà. Ok. Ah ouais, non, je joue pas là. D'accord. Donc ça c'est ton gros projet, le zouk shine. Par contre, c'est vrai, c'est une très belle idée ce que tu as, parce que personnellement, je n'y avais pas pensé. Mm-hmm. Moi, génie des idées. Voilà. Mais il y a d'autres choses. Hein. Je veux mener un combat féroce pour le zouk, mais je ne vais pas le mener seul. Donc c'est pour ça que je profite de ton antenne pour passer quelques messages. Par exemple, vas-y. J'ai une idée. Je la donne à tout le monde. Toi, Widi. Oui. Comme moi, nous avons une assez bonne culture musicale en termes de zouk nostalgie. Oui. Si on meurt tous les deux là, un accident ce soir, on passe à Fissa. Oui. Qui va prendre le relais? On ne sait pas. Alors, l'idée est la suivante. Et là, je passe le message à tous les gens et surtout tous les producteurs. Quand on fait un titre, je vous donne un exemple. On prend le titre de... allez, donne-moi un titre nouveau. Peter. Peter. Un zouk nouveau. Vas-y, un zouk nouveau. Alors, Kim. Un titre, par exemple, Kim... Mon ami. Voilà, mon ami. Eh ben voilà ce qu'on pourrait faire. Quand tu vois un album, on prend celui-là. Allez. On prend celui-là. Vas-y. Tu prends Kim, mon ami. Bien. Oui. Quand tu achètes un album, ça qui se fait rarement aujourd'hui, disons-le franchement, les gens téléchargent en général. Ils vont acheter un album peut-être pour offrir ou pour faire plaisir. Mais ce que j'aimerais moi, c'est que l'histoire de ma musique existe et perdure. Très bien. Comment faire? Mais j'ai trouvé un moyen. Tu prends un titre, tu le tags en MP3. D'accord. Un exemple. Kim, quand elle fait son album, on lui demande, voilà Kim, quand tu as fait le titre Mon Ami, à quoi tu pensais, etc. On met ça en fichier texte, qui raconte l'histoire du morceau. Tu vois? Ouais. Et on insère cette histoire-là dans le MP3. Ouais. Ce qui fait que n'importe qui dans le monde qui ouvrira ce MP3 pour avoir l'histoire. Ouais. Et toi qui es en radio, imagine, on n'est plus là, dans 50 ans, Kim décède, par exemple. Ouais. Et on fait une émission en mémoire de Kim, etc. Oui. Le DJ qui sera à l'antenne, rien qu'en passant sa souris sur le MP3, pourra voir l'histoire du morceau. Et pourra dire à l'antenne, eh oui, souvenez-vous, il y a 40 ans, Kim a vécu ce morceau-là pour telle chose, telle manière, telle façon. Mmh. Et de faire donc voyager l'histoire du morceau dans le MP3. Très bien. Très, très bien. Sûrement. Franchement, pas mal. Voilà. Franchement, et c'est pas super. Quelque chose de difficile. Je le fais dans mes mix. Quand tu ouvres mon mix, parce que tous les mix sont tagués en MP3, tu as ma photo, et tu vois l'histoire du mix, qu'est-ce qui m'a amené à composer. Ensuite, tu vois chaque des titres, on l'a vu tout à l'heure, que j'ai utilisé, et voilà, qu'est-ce qui m'a inspiré et tout. Donc, l'histoire de ce que je fais voyage à travers avec le MP3. Ce qui fait que les gens pourront copier des MP3 sans avoir l'album en vrai. Oui. Parce qu'il est vrai que le CD est amené à disparaître. Absolument. Donc maintenant c'est super numérique, MP3 et non, ça, exactement. Et donc du coup tu vois dans 15 ans tu as un artiste qui n'est pas là mais qui vient et puis tu peux te dire mais tu te rappelles j'avais que ce morceau là pour telle raison, tel machin, pour telle chose, etc. Voilà. Par ailleurs, j'ai encore d'autres idées. Je l'ai confié à tous les artistes que j'ai interviewés parce que mon but c'est de les aider quoi quelque part, tu vois, de faire que ma musique avance. Tout à fait. Et j'ai interviewé Phil Control. Phil Control. Hier, si jamais un jour tu interviews, je dois sortir un album, il te parlera de moi. Pourquoi? Parce que je me suis dit ça c'est personnel. Hein. Oui. Aujourd'hui, un artiste fait un album. Un album, il faut qu'il le remplisse. Donc il faut qu'il ait à peu près 8, 10, 12 titres. Oui. Mais sur ces 12 titres, combien seront bons? On ne sait pas. Moi, je me suis dit, pourquoi est-ce que les artistes ne feraient pas peut-être 3, voire 4 titres maximum? Mais 4 titres bien travaillés. Ouais. Bien. Ensuite, ces titres, quand tu ferais l'album, la première piste, ce serait une introduction. L'artiste parlerait. Il se présente. Bonjour, voilà, je m'appelle Woody, chanteur, machin, etc. J'ai commencé en telle année. J'ai composé en une minute, hein, pas besoin de faire grand-chose. J'ai composé cet album pour telle raison, telle machin, etc. Maintenant, je vous invite à l'écouter. Point. Piste 2, le premier morceau joue. Piste 3, voilà, vous venez d'écouter un super morceau, ben ça m'a été inspiré par telle chose. Comme ça, les gens, ils ont le morceau, et ils ont le commentaire de l'artiste qui explique pourquoi est-ce qu'il a fait ce morceau, qu'est-ce qu'il a amené à composer ça, etc. D'accord? Donc tu fais peut-être, s'il y a 4 morceaux d'album, il y aura 4 explications. Ouais. Et à la fin, la dernière piste, c'est une piste dans laquelle il pourrait réunir tous ceux qui ont fait l'album, donc autour d'une table comme celle-ci, avec plusieurs micros, et l'artiste dit voilà, ben écoutez, j'ai produit cet album, voici le producteur, il s'appelle un tel, voici le bassiste, et chaque
personne qui a participé à l'album, le bassiste, l'arrangeur, pourrait parler et s'exprimer. Et donc, du coup, dans l'album, tu as eu toute l'explication, toute l'histoire du morceau, gravé à vie. Oui, il est vrai que bon, c'était une bonne idée, hein. Mais tu sais, c'est pas pour te contrecarrer. Mm-hmm. Lorsque tu écoutes de la musique en général, mm-hmm. Tout ce qui est interviews, commentaires, absolument. Les interludes, à part quand il y a des sketchs, mm-hmm. on fait attention. Mais c'est vrai qu'on fait pas trop attention des fois. C'est comme si quand tu vas au cinéma, tu regardes le film et après quand le générique de fin arrive, mm-hmm. tu pars tout de suite, tu vois. J'ai bien compris. Donc c'est pour ça que ce serait une, comment t'expliquer, les gens, ils seraient là pour écouter l'album. Les pistes supplémentaires, c'est des bonus. C'est des bonus en fait. Donc la personne achète l'album, elle achète surtout pour les titres. Ouais, tout à fait. Tu vois, c'est pour ça que ce sont les pistes séparées. Tu as les pistes des albums et les pistes des commentaires. Après, la personne choisit ce qu'elle veut. Par contre, le jour où cet artiste-là disparaît ou que je sais pas qu'est-ce qui lui arrive, la personne sera bien contente de réécouter l'histoire de ce morceau-là. Tout à fait. Tu vois, c'est ou bien par exemple, un mec qui a rencontré une chouque sur ce son-là, c'était le son de leur rencontre, et bien ils auront l'histoire de ce morceau sur lequel ils se sont rencontrés. Mais c'est des bonus à côté. Oui. Tu vois, c'est pas le truc qui fait vraiment partie de l'album. Mmh. Un peu comme le tag en MP3 sur le morceau. Non, mais je trouve que tu as de très bonnes idées et on a pas mal de personnes qui ont intervenu sur le Facebook pour dire franchement c'est super bien tes idées. En plus c'est surtout le fait de perdurer le zouk, absolument. Et surtout la culture, parce que malheureusement avant le zouk il y avait la cadence, il y avait la begin, tout ça, et même moi je lui dis honnêtement, je connais à peine un dixième de tout ce qui a été fait, surtout dans la begin et le croca. Et c'est vrai que une musique est toujours riche lorsqu'on respecte ses aînés. Donc tout à fait. Mais bon, je trouve ça super bien et j'espère que tes projets vont. Oui, vont oui. Donc les idées, tu vois, je les donne pour que les gens fassent, parce que moi, j'ai pas le pouvoir de faire ça. Je suis pas producteur, je peux pas intervenir sur chaque album, demander l'histoire à chaque personne, etc. Ouais. Mais si tout le monde fait ça, moi je dis que ce sera génial. Tu imagines l'historique qu'on aura dans les MP3 bientôt, c'est-à-dire que tu vas peut-être lancer un MP3 de X ou Y et tu auras l'histoire du morceau, ce qui fait qu'on n'aura plus besoin d'avoir d'animateurs cultivés, on aura seulement besoin d'animateurs qui sachent lire, tu vois, et pourra dire eh oui, rappelez-vous, c'était un tel morceau composé par tel machin, etc. quoi. Oui, mais je pense que pour ça ça a un coût aussi. Alors oui et non, ça a un coût si on doit rattraper le temps perdu. Par contre, si aujourd'hui on commence, il n'y a aucun coût. Tout ce qui se passe, c'est quoi, quand au moment de presser l'album, Kim rentre chez elle, par exemple. Parce que, on prend l'exemple de Kim. Ouais. Elle a fait son album, elle a fait chanson 1, 2, 3, 4. Tout ce qu'elle a à faire, c'est taper sur un ordinateur, un soir, l'histoire, en 3-4 lignes, on veut pas une tartine beurrée, hein, c'est pas, 3-4 lignes, un résumé, voilà, j'ai fait ça parce que j'étais inspiré par la perte d'un tel, la rencontre d'un tel, etc., etc., c'était machin, merci beaucoup, etc. Tac! C'est tout. Et tout ce qu'il y a à faire, c'est copier, coller dans l'MP3. Bah, franchement, je le fais. Ton idée est bonne, donc, messieurs les... Oui. Des artistes. Et comme ça, l'histoire va voyager, mon gars. Si, voilà. Pour faire avancer les choses. Oui, absolument. Bon, la personne qui parlait, c'était DJ Six, hein. C'est pas qu'est-ce qui arrive, mais bon. non, franchement, DJ Is, alors. Voilà. Franchement, non. Félicitations pour toutes tes idées. Yep. Et c'est pour ça que t'es venu, parce que le Party Time Show, c'est surtout, le devoir de mémoire et d'honneur, que ce soit les artistes et les DJ. Exact. Et pour moi, j'ai trouvé que ton travail était vraiment. Voilà. Devait se faire connaître. Alors. Dernière chose encore, ce que tu fais, il me semble que je te l'avais suggéré une fois, mais bon, je m'en rappelle plus, c'est que quand les radios invitent des artistes en plateau comme ça, comme la série était là, il faut enregistrer ces interviews. Ah, pourquoi? C'est enregistré. Parce que le jour où cet artiste va disparaître, on pourra dire, eh bien oui, souvenez-vous, elle avait été interviewée, machin, etc. Et pouvoir passer les commentaires de cette personne-là. Et non pas à un seul élément, et puis on passe que des morceaux, et puis c'est fini. Je suis d'accord avec toi, mais en général, tout ce qu'on fait, c'est à l'improvise. Oui, mais enfin, tu veux dire, non. À part toi, ce soir, t'es programmé. D'accord. Nous, sinon, tout ce qu'on fait. Non, mais après, vous avez sûrement moyen à la radio. Oui, non, mais à la radio, il y a toujours. C'est ça, mais c'est tout. Ah, mais c'est exactement ça. Et je veux dire pourquoi encore. Je me rappelle, j'étais allé en Guadeloupe, j'avais été interviewé Sartana. Mais avant son interview à YACI, j'étais en voiture et j'écoutais l'interview. Ouais. Quelqu'un qui écoute un artiste en interview, elle a de la chance, cette personne-là. Elle n'est pas occupée. Oui. Mais ça peut arriver que la personne est dans un embouteillage ou qu'elle est chez elle sous la douche et puis qu'elle rate l'interview.
Eh ben, quand tu l'as raté, tu l'as raté. Alors que si tu l'enregistres, cette interview, aujourd'hui on a Internet, et que tu mets ces interviews-là sur Internet, même 10 ans après, la personne dit, ah, mais tiens, j'avais raté cette machine-là. Clac! Et elle peut revenir dessus. Il faut que notre musique soit accessible à toutes les générations qui vont venir. Toutes! Ok. Non, mais regardez, le tout était bien. Tu peux me le refaire? Toutes! Oh, maman. Oui, oui, frère. Oh, papa. Et les hommes, zoupé by force, là, parce que franchement, big up. Ok, super. Non, franchement, merci. Ouais, vive le zouk, hein. Non, mais tu m'as donné un petit peu d'espoir, parce que moi, je t'avoue que j'étais un petit peu déprimé par moment. Je t'avoue, j'étais un petit peu déprimé, mais c'est vrai que surtout l'idée de la danse. Absolument. C'est pas mauvais. Voilà. Franchement, c'est pas mauvais. Et, c'est vrai que, les gens, ils aiment danser. C'est un plaisir. C'est un bien-être pour le corps humain. Voilà. Et, franchement, non, là-dessus, big up pour toi. Pas de okay. soucis. Yes, I. Did you say, pardon. J'aime bien, c'est salope. Salope. Bonjour. Dis-nous-moi un petit peu. DJ, il salope. Maman salée. Bon, de toute façon, là, on va se faire 2 heures de Tania Saval. Pas de soucis. Alors, pourquoi Tania Saval? Parce qu'elle est avec nous dans les studios. Merveilleuse. Là, je t'en veux, Woody. Tu vois, m'enrive au Sroya, m'enrive les Tania Patti, ouais. Ouais. Non, mais, franchement, Tania, t'es fatiguée. Tania, t'es très fatiguée. Ah. Et elle doit se reposer parce que c'est vrai qu'elle a encore des interviews. Ouais, ouais, non, c'est normal. C'est normal. Répétition, tout ça. Donc, je voulais pas trop la retenir. En tout cas, on lui fait ce devoir d'honneur aussi. Absolument. Pour ceux qui souhaitent contacter DJ Salope. Eh ben, vous nous contactez 01 40 87 79 00. Il y a DJ Paragraph. Je sais pas si tu le oui, connais. Oui, bon soldat du Zouk aussi. Très voilà, bon soldat. Alors, DJ Paragraph, je te fais un gros big up aussi. Yes, I lui, gros big up aussi. Raphaël Duchel aussi, te big up aussi. Yes. Pas mal de monde sur le Facebook. Et, aussi, ben, on va recevoir, je pense que, au courant de la nuit des appels, il n'y a pas de ça. Ça va arriver, ouais. Okay. Pas de soucis, je suis là. Ton actualité à venir, juste pour perdurer, pour finir, clôturer l'interview. Ton actualité en Martinique, c'est laquelle? Oh, alors, mon actualité en Martinique... Ou pas ni? J'ai pas vraiment. Pour le moment, je suis d'accord. En voyage là. Okay. Mais quand je vais revenir, je vais m'occuper du Zoukshine. D'accord. Avec mon ami Jean-Manuel. Ok, il n'y a pas de souci. Ça roule. Ok. Tu restes avec nous? Je bouge pas. Ah ben ok, yes, et bon. Alors, le Party Time Show, c'est comme ça tous les vendredis soirs. Exceptionnellement, on a reçu un grand DJ Salope. Franchement, tes idées sont vraiment merveilleuses. Hein. Je t'avoue que moi, j'ai... en tout cas, plairé, mais là, je commence à avoir le sourire un petit peu. Donc, si vous souhaitez contacter DJ Salope, 0140...